Merci beaucoup, Mireille Clapeau. Merci Madame la Présidente. Donc bravo pour avoir lancé cette mission. Moi je voudrais remercier en tout premier les services de la Commission des Affaires étrangères parce qu'on a des cartes qui sont magnifiques et ça nous permet de visualiser les visites que vous avez faites. Et donc je voudrais remercier les collègues pour vos exposés très vivants, complémentaires, qui ont mis en exergue une certaine forme de dialectique entre ce qui est visible, ce qui n'est pas visible, ce qui est hors du regard, comme la situation des droits humains. Je rappelle que si vous ne l'avez pas vu sur place, et comme ça a été dit, plusieurs enquêtes documentées mettent en évidence la négation des droits de religion, d'expression. Le service national à durée illimitée avec ses conséquences, l'usage de la torture, les arrestations arbitraires, les détentions dans des prisons épouvantables et même dans des containers en plein désert, en pleine chaleur. La répression contre les Érythréens qui souhaitent quitter le pays et qui sont parfois repris et renvoyés et sanctionnés. Donc il faut bien se rappeler de tout ça qui est peut-être hors du regard. Un autre sujet qui a été abordé, c'est la question des travailleurs. Donc l'Éthiopie, elle veut devenir le grand centre manufacturier, en particulier dans le textile, avec du coup des salaires très très bas, des conditions de travail négligées. On dit que le salaire d'un ouvrier éthiopien, pardon, c'est 26 dollars par mois, à comparer aux 326 en Chine. Donc ce que j'ai entendu également et qui m'intéresse beaucoup, c'est le bonheur, pas le bonheur. Bon, moi, je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas faire le bonheur des gens malgré eux, et qu'il faut plutôt parler de droits. Donc les projets de développement, effectivement, qu'ils soient publics ou qu'ils soient par des multinationales, ils devraient prendre en compte les droits sociaux et les droits environnementaux. Et nous, parlementaires, il me semble que nous avons une responsabilité, d'autant plus que nous sommes éclairés maintenant grâce à vous, pour inciter à ce que ces droits soient respectés dans le cadre du dialogue sur le développement. Donc je vais terminer ces considérations par une question plus géopolitique qui est par rapport à l'instabilité et l'implantation de l'islamisme radical tout autour. Hein, le voisinage, que ce soit au Soudan, au Yémen, en Somalie, pourrait favoriser certains groupes radicaux. Et comment ce pays qui est tout petit peut arriver à lutter contre cet islamisme radical ? Merci.